Eh bien, salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui, on se retrouve pour épisode numéro 3 de Poudlard RP. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul puisque je suis en compagnie de Pazzo. Hello. Comment tu vas? Bah très bien, et toi? Écoute, je vais très très bien. Alors je tenais à vous répondre juste vite fait parce que vous êtes énormément dans les commentaires à me dire Oxy, tu connais pas Harry Potter et tu joues à Poudlard RP? Je me désabonne! En plus, t'as choisi Serpentard! Ok, alors attends, je t'explique. Harry Potter, ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé, mais je les ai tous vus. Et je sais, c'était pas Nimbus 3000, c'était Nimbus 2000, bon. Ok, c'est bon. Il y a une marge d'erreur de Il y a une marge d'erreur, exactement. Et aussi, pourquoi on a pris Serpentard? C'est parce que c'est plus facile d'être Serpentard, parce qu'on avait juste à répondre des trucs d'enfoiré pour être ensemble. Parce que le but quand même c'est d'être ensemble, si on n'était pas dans la même maison, bah on n'aurait pas eu les mêmes quêtes et on n'aurait pas pu jouer ensemble. Donc c'était voilà. Un petit peu con. Donc voilà pourquoi on a choisi Serpentard, comme ça c'était plus simple, il n'y avait pas de un qui était Serdaigle et l'autre Gryffondor ou Pouf. Exactement. Voilà. Vous verrez quand vous pourrez jouer vous ce que ça va faire. Tu verras le jour où ça ouvrira en bêta ouverte en l'an 1969 de grâce Clovis ce que tu veux. Et écoutez, en tout cas on ne perd pas de temps et on va continuer cette série pour cet épisode 3 qui risque d'être très très drôle. Ok, bon bah moi je vais faire mon petit dodo. Youh ouais. Yep, petit dodo. Et après on va parler à McDo, c'est ça t'as dit? Ouais, McDonald's. Ah, McGonagall. Oh d'ailleurs je me suis fait défoncer. Oui, tu connais pas McGonagall okay. Alors, jour 1. Ah, tu es encore au lit? Dépêche-toi, on va être en retard. Le professeur McGonagall nous attend dans la cour en face de la grande salle. Utilise ta carte pour ta carte du maraudeur pour t'y rendre. Ok, très bien. Ok, là aussi. Ok, j'arrive. Grande salle et dans la cour en face, juste là. Dans la cour en face, voilà, ça doit être là. Oh, hey, y a du monde là aujourd'hui. Hey, dis donc. Ouais, c'est moi, on va apprendre à faire du ballet. Salut. J'ai envie de faire du ballet. Ah, monsieur Oxylac. Je vous ai fait venir ici pour vous présenter vos professeurs. Pour ma part, je serai votre professeur de métamorphose. Je vous apprendrai l'art de changer d'apparence physique, de l'infiltration, du camouflage, afin que vous deveniez un véritable animagus. Allez voir vos autres professeurs, ils sont dans la cour. Ok, très bien. Salut, okay. Londuba. Oh. Londuba. Oh, Londu. Bon, Londuba, là. Bah, attends, je vais aller voir Firenzen. Ah, ouais. Ah non, ça c'est... Ah, ça c'est... En fait, c'est peut-être pas tous des profs. Ah, lui, ça doit être un prof. Non. Bibine. Eh, hey, t'as pas une bière? Potter! Non, c'est pas non plus un professeur. Bah, what? Et les professeurs, ils sont où? Oh, les professeurs! Captain America, Slugan. Ah! Bonjour, monsieur Oxylac! Cette année, nous allons apprendre l'art rigoureux de la préparation de potions. Vous n'aurez pas besoin de baguettes magiques. Je vous apprendrai à manipuler des substances. Enfermer la mort dans un flacon ou mettre la gloire en bouteille. C'est tout? D'accord, très bien, merci. Moi j'ai quand même quelque chose. Je connais, j'ai déjà vu les Harry Potter, je connais un petit peu l'univers quand même. Mais ça, c'est normal? C'est Captain America. Non, parce que Captain America dans Harry Potter. Oh, tranquille, hein. Mais long du gras là, c'est pas un prof, lui, c'est chelou. Bon, on va aller voir Shurav. Oh putain, c'est quoi ce mot? Ok, Shurav, c'est pas un prof. Non, c'est pas un prof. C'est pas un prof, Shurav. En fait, faut chercher Hulk maintenant, peut-être, non? Attends, allez parler à Triwolney. 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 Là, il est là. Attends, reviens au centre. Ouais. Hé hey ah là Triwolney, on arrive. Yeah. Oh, Oxylac. C'est une meuf? Ah oui. Enfin, je vous vois dans le monde physique. Vous ne me verrez pas souvent ici. Votre grand-mère va-t-elle bien, monsieur Oxylac? Oui, très bien, oui, je crois. À votre place, je n'en serais pas si sûr. Quoi? Bien, cette année, nous allons nous consacrer à la lecture des feuilles de thé. Laissez-le, voulez-vous? Quoi? Le voulez-vous? Ouais, bon, celui qui a écrit ça. Chuchote. Les véritables voyants sont des rares et les profs. Okay. Bon, on va parler à Firenzen. Ah, ok, en fait, faut en parler dans un ordre précis. Putain, on est trop con. Firenzen. Bonjour, Oxylac.
Je serai ton deuxième professeur de divination cette année. Et wow. Centaure comme moi... Non, t'es pas un centaure. Non, t'es pas un centaure du tout. Avons la capacité de lire plus clairement l'avenir. Je vais t'apprendre à recueillir des éléments sur des événements à venir via des rituels magiques. Cool. Wow. Elle va faire la chourave. Ouais, chourave, il est là-bas, chourave. Lui, il va nous apprendre les cours de vol. C'est un professeur, en fait. Bonjour, bonjour, Oxylac. Je suis ravi de vous avoir comme élève. Monsieur Londubat et moi, nous allons vous apprendre la botanique, l'étude des plantes, comment les transformer, les comprendre, ou bien encore leur jeter des sortilèges. Adam, je suis en train de réfléchir, Londubat. Oui, c'est un truc en vrai, non? C'est une connotation sexuelle, ça, non? Ah ouais? C'est Longus Gay, quoi, tu vois? Ah, ok. Bienvenue à Poudlard, Oxylac. Madame Chourave... Ah, c'était une dame? A déjà dû tout expliquer sur le déroulement de cours. Elle s'occupera plus de la théorie. Je vous apprendrai la pratique, comment bien appliquer ses connaissances et les restituer par la suite. Merci. Parlez à Flitwick. Alors, Flitwick, là-bas. Flitwick. C'est ce qui est habillé comme un mec de l'ancien camp. Comme un anglais. Ouais. Monsieur Oxylac, c'est l'heure du thé. Charles. On m'a rapporté que vous connaissez déjà un sortilège, n'est-ce pas? Oui! Aloe vera, très efficace contre les boutons d'acné. Bien, excellent! Vous savez alors vous servir de votre baguette. Je n'aurai pas à revoir les bases avec vous. Je serai votre professeur de sortilège cette année. Ouh, toi, je vais bien t'aimer. Parlez à Potter. Oh, c'est Hermione Potter. Mais c'est Hermione Potter. Bonjour, Oxylac. Bonjour. Vous avez sûrement entendu parler de moi. Oubliez tout ce que vous savez sur moi. À Poudlard, je serai votre professeur de défense contre les forces du mal. Nous étudierons la magie noire, les créatures des ténèbres et la façon de les affronter. Oh oui. Pam pam pam. Alors, faut parler à Bibine maintenant. Bibine. Bibine. Bah, elle est juste là. Bah, elle est juste là, Bibine. Alors, tu nous as amené des biens. Il est où? Alors, la junkie. Bienvenue à Poudlard, aussi. Je vous enseignerai l'art de voler sur un balai. Ouais. Ce cours est enseigné seulement aux premières années. Je ferai en sorte que vous deveniez un adepte du vol. Pourriez-vous aller chez Hagrid? Il sera sûrement très content de recevoir votre visite. Voici des notes pour ne pas vous perdre. Bon, bon. Okay. Alors, dans la note, c'est écrit: dans la salle des escaliers, trouvez celui débouchant à l'étage numéro 4. Passez à l'étage numéro 4, puis descendez les escaliers, traversez les couloirs, puis continuez votre chemin. Ok, on trouvera jamais. Bon, déjà, on va trouver l'étage numéro 4. Ouais, allez. C'était par là-bas, je crois, tous les escaliers et tout. Ouais, c'est un peu du genre à droite. C'était là, hein. Ouais, on est ouais. D'accord. C'est bien, déjà. C'est un bon début. C'est un bon début. Alors, maintenant. Faut. Étage numéro 4. Quel étage? Bien, faut monter. Non, mais c'est super bas aussi. Non, mais t'inquiète pas. Y a pas un... Regarde, là c'est marqué premier étage. Ok, très bien. Putain, il est haut le premier étage. Deuxième, attends. Ah ouais, premier étage, ok. Donc le quatrième, c'est par là. Deuxième. Là, on est au... Cinquième. Troisième encore, d'accord. Ah, il y a okay, plusieurs troisième étages. Ah, il me fait peur lui, avec son foule de serre là. Et là, on est au quatrième. Ok, alors maintenant qu'on est au quatrième, descendez les escaliers, traversez le couloir, puis continuez votre chemin. Ça doit être ça. Ouais. Là, on descend les escaliers. Ah, mais là, on redescend au rez-de-chaussée. Alors, traverser le couloir. Bonjour, couloir. Bonjour. Il paraît que les murs ont des oreilles à Poudlard. Très bien. Attends. Une fois à la tour de l'horloge, celle faite de bois, descendez-la jusqu'au rez-de-chaussée. Ok, alors, à mon avis, il faut qu'on continue jusqu'à la tour en bois. Ça, ouais, ils ont pas dit remonter les escaliers ou quoi. Professeur Beans. Ok, c'est pas lui. Je crois qu'on est pas du tout. Ah, là, c'est du bois, non? Bah, ça commence à être boisé. Bon, bah, c'est peut-être une bonne nouvelle. Oui. Il y a peut-être un autre quatrième étage. Non, mais il y avait deux troisième étages. Quatrième deux portes. Étage. Là, on est au quatrième. Ah! 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 Bon, tour en bois? Bah, maintenant, faut descendre, non? Ok, je cherche la grille. Bon, elle est pas vraiment en bois, la tour, quand même. Hein. Ok, bon bah je vais descendre du coup jusqu'au rez-de-chaussée. Là-haut. Ok, je trouve pas grid ici.
Hop. Ok, je suis au rez-de-chaussée. Ensuite. Rez-de-chaussée, entrez dans la cour en extérieur, puis prenez le pont. Ah, c'est Pazzo, faut que tu descendes, j'ai trouvé. Je suis en train de descendre des escaliers là, c'est chiant, mais c'est je descends. Moi je sautais à chaque fois les étages. Genre je sautais au-dessus des barrières. Ouais. Voilà. Tac. Ensuite, là on a la cour extérieure. Yeah. Et il faut qu'on puis prenez dans la cour extérieure, puis prenez le pont, arrivez au bout, empruntez le chemin de gauche. Alors donc le pont. Ah bah il est là. Ça c'est bon. Eh, c'est bien, on est sur la bonne route. On s'est même pas perdu. Ça ressemble à un pont. Voilà. Vous ouais. T'es mauvaise langue, toi qui dis ah, ils vont se perdre! T'es mauvaise langue! On l'a vu, hein! Ça se trouve, on n'est pas du tout au bon endroit! Si, 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 ça ressemble! Ouais, je sens ouais. Le guide là, ça sent le poil! Ok. Oh! Ça me rappelle des souvenirs ici! Ah, bah oui! Harry Potter s'est caché derrière ce rocher! Ouais! C'est vrai en plus! Avec Hermione! Ouais, et ils ont fait du. Ils ont mangé des carambars! Ouais, ils ont mangé des carambars! Ah bah regarde, c'est chez Hagrid! Oui, c'est le champ de citrouille! Oh, c'est trop bien! Hagrid! Hagrid! Je serai incapable de revenir chez toi un jour, donc j'espère qu'on pourra s'y téléporter! Hagrid, tu peux nous ramener chez nous? Ouais! Ah! Pourquoi ils sont deux? Hagrid, c'est on fait comment là? C'est une inception. Je veux parler à celui-là. Bonjour Oxylac! Que viens-tu faire ici? Vous n'étiez pas présent lors de la rencontre professeur-élève. J'avais d'autres ah ok, ça c'est moi qui lui dis. J'avais d'autres choses à faire, cette affaire au ministère sur ces... Ça ne te concerne pas, Oxylac. J'en ai trop dit. File maintenant. Je n'ai pas de temps à t'accorder. D'accord, tu as découvert le passage cabane de Hagrid. Il est pas gentil, Hagrid. Retournez voir McGonagall. Oh putain, fourre. Oh, c'est TP, hein, c'est TP. Hein, ah ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ça c'est pratique. Ouais, ils y ont pensé. Oh, oula. Regarde tout ce qu'on a découvert. Ça fait beaucoup là. Hein. Bon, grande salle. Ah, McGonagall. On a vu Hagrid, ils étaient deux. Ils étaient deux. Vous avez vu Hagrid? Oui, deux. Excellent. Chez vous d'aller en cours. Madame Chourave vous attend. What? T'as été... T'es où? Je sais pas. T'as été téléporté? Bah non, je suis tout seul dans la cour. Mais moi aussi je suis tout seul dans la cour. Eh oh! Eh oh! Eh oh! Toi aussi tout a disparu. <C'est clair>. Moi je dois aller en botanique Mondragore. Entrer en serre 7. Alors, attends, y'a un truc qui est apparu devant moi là. Oui, t'as aussi des trucs bleus là. Oui. Qui fait ça? Ça doit être un joueur. C'est la salle de botanique. Divination. Botanique, salle de botanique. Ok, tu te téléportes en fait. Salle de botanique. Alors, la serre numéro 7. Oh, la salle de botanique, sa mère. Eh, vas-y, pourquoi on se voit plus, là? Nous, on va faire des cours ensemble, hein. C'est trop chelou, hein. Alors, maintenant, faut que je trouve la serre numéro 7. Serre numéro 7. Ouais, mais il y a plein de serres partout. Ça, c'est la 1. Oh, merde, je suis pas du beau côté. Ça, c'est la 4. Ok. Ça, c'est la 5. Ça c'est la 2. On a peut-être une autre ailleurs. What? T'as trouvé la serre numéro 7? Non. Pour l'instant je suis en train de cliquer sur les mandragores. Pourquoi? Bah parce que ça... Je sais pas pourquoi ça monte. Genre ça... j'ai une jauge jusqu'à 50. 50? Mais il en faut que 5. Ouais mais... Quand tu cliques droit sur le mandragore qui a pas poussé, du coup ça... Ça fait un truc. C'est lesquels les mandragores? Moi je suis dans la salle des mandragores, non? Ah, il y a une salle de mandragores? Bon, attends, je vais me re-TP, hein, parce que... Va en botanique. Moi je suis dans la serre, là. Alors, botanique. Ah, c'est ça? Rentrer en serre 7. Oh! En serre 7, c'est où? Attends, elles sont où, les mandragores? Moi, quand t'arrives, t'as la première salle, c'est une salle de Mandragore. Maintenant, faut trouver la salle 7, salle ouais, 2. Mais moi, quand je clique sur dessus, ça fait rien. D'accord, moi, ça faisait un bruit, ça me mettait une jauge de 1 sur... Ah ouais 4. Ah ouais, t'as raison. Ah bah, elle est où, la salle 7, là? Je vois la 4. Ah ouais, j'ai eu... Mandragore déraciné, ouais.
La 5. Et il en faut 5. Ça, c'est insupportable. Quand même. CR7, je l'ai trouvé. T'es où, Pazzo? Je suis en train de récupérer des mandragores. Mais t'as pas besoin de récupérer 10 000. J'en mets 4 là. Ah, ok, il en faut 5. Attends, parce que moi ils ont commencé à. Non, même pas, c'est une étape. Même si t'as les 5, après t'as toujours. Ouais, ouais, bah là je suis marqué. Ah, mais non, ok, non, y'a pas besoin de les récolter en fait, faut faire la mission. Ok. Vous êtes en Allez, retard, Oxylac, asseyez-vous, je vous en prie. Alors. La 5. Hein? La 5, tu l'as trouvé où? La 7, pardon. La 7, bah en fait, une fois que t'es en face de la. De la serre numéro 5, tu vas à la droite de la serre et tu vas tout droit. J'ai trouvé. Oui, je suis en retard. Parlez à Shurav. Yeah! Salut Shurav! Par contre, c'est dommage, on peut pas faire les cours ensemble là. J'étais allé voir Hagrid et. Taisez-vous, monsieur Oxylac! Nous allons commencer! Ok, très bien! Bien bonjour! Attends, wow. Bien bonjour! Les enfants et bienvenue à Poudlard pour tous ceux que je n'ai pas encore pu voir. Il y a. What? Mais attends, tu vas trop vite! Il y a quelques années, Poudlard a été victime d'un terrible incident dans la chambre des secrets. Depuis ce jour, le premier cours de botanique que vous aurez concerne les mandragores. Quelqu'un peut me dire ce qu'est une mandragore? Le filtre de mandragore est utilisé lorsque des personnes ont été pétrifiées par de la magie noire. Cette plante peut vous évanouir en quelques secondes. Mais elle n'est pas mortelle. Le filtre de mandragore est utilisé lorsque des personnes ont été pétrifiées par de la très grande magie. La mandragore est très dangereuse. Non, je pense que c'est de la magie noire. Hein. Non, c'est la deuxième, c'est la deuxième. Ah bah, j'ai elle peut tuer quand elle est adulte. Faux, Oxylac! La mandragore est une plante qui ressemble à un bébé lorsque l'on enterre dans un pot, ok? Elle aide à créer un filtre qui guérit le pétrifié. Je vous invite à rejoindre monsieur Londuba, il vous montrera comment faire pour déraciner la plante. Pour ma part, ce cours est terminé, merci à tous. Putain, c'était court. Hein. Le professeur Londuba devrait être dans l'une des serres. On se retrouve à la serre de Londuba. Ok, il nous dit même pas c'est laquelle. Ouais, c'est clair, t'es bâtard. Il est dans une serre. Vas-y, t'inquiète. Alors, moi j'ai rapporté 10 points à Serpentard. Oui, moi aussi tout à l'heure. Ah bon? Bah, ça se fait pas. Hein. Eh, mais il y a beaucoup de serres en plus. Hein. Ouais, bah oh. Oh, Londusboub là, t'es où? Bon, je pense que c'est dans les premières. C'est sans doute dans la salle où il y a toutes les mandragores. Bah, peut-être, on va voir. Ça paraît très logique. Bah, parce que oui, on parle de botanique mandragore. Bah, c'est ça! Ah non, c'est Gaëtan qui est là. Gaëtan! Ah, bah oui, bah, s'il y a Gaëtan, c'est que c'est bon. Non, mais il n'y a pas l'endu. L'endu machin. Ah, si, il est dans le cachet tout au fond dans la petite salle, sur pipi. Ah, ouais, je vois Gaëtan. À droite et tout au bout dans le long du bas. Monsieur Xilac, que me veut ce plaisir? Madame Shurav nous a envoyé ici pour apprendre à déraciner une mandragore. Je vois, suivez-moi Xilac, j'en ai déjà déraciné 5. Ouais, j'en ai déjà déraciné 5 en fait. Bien, sachez que déraciner une mandragore n'est pas une chose agréable. Elle criera et se débattra. Cliquez 50 fois sur une mandragore en 10 secondes pour la déraciner. Tu obtiendras alors une mandragore déracinée à l'état de brut. Vas-y, à l'état brut, vas-y, je te regarde. Oh, allez, j'ai 10 secondes. Et voilà, très bien. Excellent, monsieur Oxylac. Hélas, je n'ai pas plus de temps à vous consacrer, je vous laisse. Ok. Et Gaëtan, il me dit, tu viens? Oui, j'arrive, Gaëtan. Hey, get. Alors, comment tu as trouvé le cours? Très court. Pourquoi il m'a donné un papier? Monsieur de papier, emploi du temps, jour 1. Botanique avec Monsieur Londuba, cours de vol avec Madame Bibine et potion avec Monsieur Sclop. Ok, donc là faut qu'on aille au cours de vol avec Madame Bibine. Ok. Alors. Tiens, par contre, emploi du jour. Eh, ça y est, je te vois. Je te vois. Ouais, t'es là. Ouais. Wouh. Comment c'est trop la teuf. Ah, c'était chiant les cours, hein. Ah ouais, putain. Oh là là, t'as vu, il pue de la gueule le prof. Ah, grave, il sentait la mandragore. Ouais, grave. Alors, truc de vol, c'est où? Ah, cours de vol. Yeah, c'est moi, je suis. Waouh. Moi aussi. Eh, je te vois, encore. Oh, trop bien, on se voit tout le temps. L'emploi du jour, le papier, il me sert à rien. Ben non, mais en fait, il te donne ton emploi du temps. T'appuies sur, t'ouvres ton inventaire et tu mets ton curseur de souris dessus. Ouais. Je savais, hein.
Alors là, il y a plein d'élèves, ils se regardent dans le blanc des yeux. Allez-y, roulez-vous des pelles, hein. Non, mais c'est pour nous accueillir. Merci, merci, merci. Merci. Tu as déjà utilisé un balai? Bien sûr que non, le nôtre était trop capricieux. Bonjour, Madame Bibine. Bonjour, Amanda. Bonjour, les enfants. Bienvenue à notre premier cours de vol. Bien, je vais vous distribuer à tous vos balais. Ouais. Mon assistant sera toujours ici pour vous en redonner. Oh bah c'est sympa. Une fois votre balai à la main, écrivez debout. Votre balai avance dans la direction que vous regardez. Faites cependant attention, si vous le cognez trop, il se détruira et vous tomberez. Les balais ne sont utilisables qu'une fois. Je vous laisse vous exercer, revenez me voir quand vous aurez fini. Ok. Tu le prends. Ah c'est un Nimbus 2000. Ouais. Ouais. Attends, je fais le ménage. Wouh. Wouh! Aïe! Debout! Attends, j'ai pu. Redonne-moi un balai. Vous avez fini de vous exercer? Non, j'ai pas fini, je veux un balai. C'est qui donne un balai? Oh là là, je suis en train de voler! Ah, je m'en vais. Hé, hey, salut! J'ai plus de balai! C'est qui est censé m'en redonner un? Je suis en train de me casser, mec. C'est beau, ça. C'est lui, c'est Lucius. Ah! Ah, mais il y a un Nimbus 2000, un Nimbus 2001. Et un Nimbus 2002. Ah oui, c'est l'année qui change. Eh oui. Eh, Axi, regarde au-dessus de toi. Je suis juste là. Waouh. Ah, viens, on va voler, voilà, t'es bien. Il est trop moche, le Nimbus 2002. Je veux pas d'appuyer sur espace, ça vole plus. Attends, je veux pas le 2002. Je veux le 2001. Debout. Non. Mais à chaque fois, je me trompe, putain. Je voulais appuyer sur CTRL. Debout. Ouh! Comment ça déchire? Ah mais c'est trop bien! Waouh! Allez, je te suis. Oh! Comment c'est trop stylé! Regarde, on passe entre les bâtiments, on passe entre les bâtiments. Attention! Wouh! Un vrai pilote de chasse! Oh my god! Mais c'est tellement stylé, Poudlard! Waouh! C'est bien foutu, c'est beau. Waouh! Regarde là-bas! Y'a une église! on va se balader qu'avec ça maintenant. Ouais, grave. Et puis du coup, on va avoir plein de points pour se téléporter. Attends, je rentre. Aïe. Oh. Yeah. Wouh. Je suis juste derrière toi. Allez, vas-y, on va retourner voir le prof quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on était en plein cours en fait. Ouais. Allez, madame, à tantôt. Yes. Comment c'est trop cool. Ah ouais, c'était cool. Madame, c'était cool. On peut en avoir un, vous avez fini de vous exercer, monsieur Oxylac? Ouais, oui, c'est bon pour l'instant. Oui, c'est bon, t'inquiète, tranquille. Parfait. Alors, je vous ai vu vous entraîner. Vous pourriez jouer au Quidditch. Nous verrons ça au prochain cours. Celui-ci touche à sa fin. N'oubliez pas que mon assistant sera toujours là pour vous donner des balais. On se voit au prochain cours. Ouais, vas-y, on lui prend des balais. Vas-y, tu peux pas... Fais péter les balais. Ah non, il en a droit que à un. Ok. Alors maintenant, faut qu'on aille au cours de potions. Faut qu'on aille au cours de potions. Moi, j'ai pris le 2001. Le 2002, il est trop moche. Ah ouais? Ouais. Stylage botanique, divination, salle de préparation de potions. Ah ouais, le trolley. Hop. Je t'attends au cours de potions. Oui. Allons au cours de potions. Ouais, il y a plein de monde au cours de potions. Hey, il y a Gaëtan. Ah, c'est bon, je te vois. Okay. Bonjour. Salut, les gars. Je suis Gorm. Je suis pas trop en retard. Avancez, prenez place devant les différents bureaux. Je suis monsieur Slugler, votre professeur de potions pour cette année. Avez-vous tous les ingrédients? Aujourd'hui, nous allons démarrer avec une potion très simple. Vous aurez 15 minutes pour la préparer. La difficulté sera d'aller chercher les différents... Attends, mais tu parles trop vite, là. Sera d'aller chercher les différents ingrédients dans Poudlard. Le filtre de mort vivante est une potion magique de somnifère. L'antidote est la potion Wingland, mais nous verrons ça ensemble la prochaine fois. Afin de concocter cette potion, je vous demanderai d'aller chercher 2 fèves soporifiques chez Hagrid, une racine de valérine en serre 1, une infusion d'armoise aux cuisines, et je vous fournirai une asphodèle quand vous reviendrez. Dépêchez-vous, le chronomètre tourne. Bon, on va aller chez Hagrid pour commencer. Okay.
Ah bah on a tout dans le livre qui est noté. On a tout dans le livre qui est noté, mais les amis, on va aller chercher ça au prochain épisode. Parce qu'on en est quand même déjà à 27 minutes. Je pense que c'est largement suffisant, puisque si on fait cette mission, à mon avis, on en a pour au moins 10 bonnes minutes. Je pense, vu tout ce qu'il faut aller chercher. Donc écoutez, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager la vidéo et vous abonner à la chaîne. Le lien de la chaîne de Pazzo est dans la description, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller checker, ça fait toujours plaisir. En tout cas, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout est dans la description. Sur ce, eh bien allez, salut à tous, c'était Pazzo et Oxy. Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Aïe.